On va rester toujours dans, dans le thème de la famille. Avec le dernier roman de Léonore de Ricando. Voilà, qui s'appelle Revenir à toi, qui est édité chez Grasset. Elle a quitté Sabine Vespizer avec La Leçon des Ténèbres. Elle était chez Sabine Vespizer, enfin, grande dame de l'édition. Et là, elle est passée chez Stock avec La Leçon des Ténèbres. Et là, elle est chez Grasset avec Revenir à toi. Pareil, n'hésitez pas si vous, si vous l'avez lu. Moi, Léonore de Ricando, je la suis aussi parce que je l'avais découvert avec Pietra Viva. Elle m'avait beaucoup impressionnée avec cette histoire et avec cette écriture aussi. On retrouve cette poésie, décidément. Hein. Moi, c'est quelque chose, cette qualité d'écriture que moi je recherche. C'est une écriture, effectivement, pleine de poésie. Et d'en revenir à toi, c'est l'histoire et une question de retrouvailles entre une fille et sa mère. Magdalena reçoit, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Elle est actrice, reconnue, installée, qui rencontre un franc succès. C'est une comédienne de talent. Et elle n'a plus de nouvelles de sa mère depuis 30 ans. Sa mère est partie du jour au lendemain alors qu'elle était adolescente, sans explication. Et un jour, elle reçoit un message qui lui dit « On a retrouvé ta mère ». Simplement, cette phrase-là, « On a retrouvé ta mère ». Magdalena, à partir de ce moment-là, percutée dans son quotidien de comédienne, elle va décider de partir, du jour au lendemain. Mais quand je dis vraiment, elle part tout de suite. Elle part sans rien, elle ne fait même pas ses bagages, elle part même sans valise. Elle sait où sa mère maintenant habite. Elle prend ce train et elle va, lors de voyage dans ce train, se remémorer son histoire, le départ de sa mère, comment adolescente elle en a souffert, comment elle s'est reconstruite, effectivement, en découvrant le théâtre, d'abord à l'école, et en devenant ensuite petit à petit comédienne et comédienne professionnelle. Elle va raconter comment elle et son père ont réussi à reconstruire une cellule familiale, déséquilibrée, mais quand même sur laquelle elle va essayer de s'appuyer. N'empêche que le manque de sa mère a toujours été permanent. Et donc ce message-là, arrivé du jour au lendemain, lui donne l'essence nécessaire pour partir sur sa trace. Elle part. Elle part sans bagage. Elle va retrouver donc le lieu où habite sa mère. Sa mère habite une maison dans le sud-ouest de la France, au bord d'un canal, une maison d'éclusier. Voilà. Elle sait qu'elle habite là. Et quand elle y arrive, et je ne veux pas tout raconter non plus, enfin, quand elle y arrive, la maison est vide. Elle est habitée, mais il n'y a personne. Donc elle décide quand même de rester. Comme elle est venue sans rien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller faire quelques courses, elle va aller s'acheter une tente, de quoi dormir pour pouvoir s'habiller, de quoi se changer. Voilà. Et elle revient fermement décidée à attendre le retour de sa mère. Et elle va attendre devant cette maison. Et sa mère va arriver. Et ça va être des retrouvailles qui vont être bouleversantes et bouleversées, qui vont d'abord se faire sans les mots. Et c'est là toute la force de Léonore de Ricando dans ce roman-là. C'est un roman sur le silence, sur comment est-ce que même dans le silence, ou à cause du silence, ces deux femmes qui ne se sont pas vues depuis plus de 30 ans vont réussir à trouver le moyen de se reconnecter l'une à l'autre. Alors que Magdalena, elle, est une femme de mots, et une femme de mots dits, puisqu'elle est comédienne, comment va-t-elle faire pour renouer avec cette mère qui est mutique,
je vous laisse le découvrir parce que c'est un moment très, très beau, très sensuel. C'est en tout cas cette volonté, quand elle en parle, Léonore de Recondo, justement, il y a quasiment très très peu de dialogue, vous allez voir, dans ce livre. Il y a un personnage masculin qui apparaît, mais il y a très très peu de dialogue. Mais c'est surtout, justement, la force de nous raconter comment est-ce que dans la sensation, comment est-ce que dans les non-dits, comment à travers le corps, on arrive à exprimer énormément d'émotions. D'ailleurs, c'est la clé du rôle de la, enfin, c'est la clé de la qualité de l'acteur, hein. C'est d'arriver à nous transmettre aussi, pas uniquement par les mots, mais aussi par le corps, une émotion, un sentiment, une passion. Voilà. C'est la mère a un beau, très joli prénom. C'est aussi, elle s'appelle Apollonia. Voilà. Donc elle découvre effectivement, enfin, elle nous fait découvrir Léonore de Recondo. Elle explique donc justement la qualité de ce monologue intérieur. C'est pas du tout ennuyant. On est dans l'esprit. On plonge dans la première partie dans les souvenirs de Magdalena et petit à petit on va arriver dans un autre niveau où elle va faire effectivement parler le monde des sensations pour l'une comme pour l'autre. Voilà. Elle a écrit. Elle est revenue, donc elle le dit, hein, elle est revenue au roman après avoir écrit La leçon de ténèbres. Peut-être que ça vous dit quelque chose, qui est en fait un livre de commande. Hein, c'est d'une collection qui s'appelle Une nuit au musée. Et dans cette collection-là, il demande à des écrivains de passer une nuit au musée et de raconter, d'en sortir leurs émotions, leurs sensations de leur vécu à ce moment-là. C'est une collection où vous pouvez, enfin moi je sais qu'à la librairie c'est intéressant de la mettre en avant parce qu'elle est reconnaissable, elle est de par la couverture, et c'est vrai que ça peut être un moment dans vos médiathèques, ça peut être l'occasion comme ça, comme elle commence à être un peu étoffée, et il y a des grandes grandes plumes dans cette collection là. Voilà, donc elle a de la mettre en avant. Donc La leçon de ténèbres dans Une nuit au musée, que vous pouvez aller par curiosité retrouver cette plume, mais c'est une plume de commande de Léonore de Recondo. Puis pour celles qui n'ont pas lu Pietra Viva, commencez par ça si vous voulez. C'est vrai que on est assez exigeant avec elle. Et moi j'ai des retours de lecteurs qui me disent oh là là, je me suis ennuyée, j'ai pas aimé, voilà. Ouais, j'étais surpris par ce roman, j'ai pas compris. Et oui, parce que je pense qu'effectivement, Léonore de Recondo, dans celui-ci, elle veut nous montrer, elle veut nous expliquer au-delà des mots. Il y a quand même des choses qui se passent. C'est compliqué hein, dans un livre de faire ressentir ça. Mais moi, je trouve qu'elle y arrive très bien. C'est des retrouvailles qui sont entre une mère et sa fille, qui sont complètement folles, hein, mais qui sont nécessaires pour l'une comme pour l'autre. Voilà, donc découvrez ces 5 jours de liberté que s'octroie Magdalena pour aller retrouver sa mère. Donc c'était Revenir à toi, de Léonore de Recondo. J'ai parlé de la mère. Un autre personnage dans cette rentrée littéraire qui est vraiment récurrent, c'est celui du père. Je ne peux pas ne pas passer à côté de Premier sang. D'Amélie Nothomb, chez Albin Michel. D'ailleurs, elle vient d'avoir le Renaudot. Oui. Voilà. Enfin, elle était sur la liste du Goncourt l'année dernière, elle n'a rien eu, là, enfin, elle est reconnue par ses pairs. Et là, elle a le prix Renaudot. Alors après, de toute façon, Amélie Nothomb, hein, c'est vraiment tout ou rien, ou on aime ou on déteste. Voilà. Elle ne laisse jamais tiède ou indifférent. Elle a pour tradition de sortir son roman chaque année chez Albin Michel. D'ailleurs, à la présentation de la rentrée littéraire chez Albin Michel, c'est elle qui clôt elle est le clou du spectacle, c'est elle qui clôt la rencontre. Elle arrive toujours avec ses chapeaux, voilà, souvent de noir vêtu, avec sa bouche très rouge. Et on attend tous l'arrivée d'Amélie Nothomb. Et c'est toujours un moment intéressant, important, voilà.
Elle dégage vraiment quelque chose. Quand on la croise, elle a vraiment quelque chose. À la fois de simplicité, et puis à la fois, c'est des gens qui sont fascinants. C'est cette régularité qu'elle a de sortir ce roman. C'est son 30e. C'est son 30e roman. Et elle en a d'autres dans les tiroirs. Elle va nous le dire. Alors, elle a écrit ce roman au moment justement, enfin, au courant 2020, au moment où elle vient de perdre son père, Patrick Nothomb, qui meurt donc en mars 2020. Et elle va choisir d'en faire le personnage central donc de ce 30e roman. Alors qu'avant, dans son roman précédent, elle avait dit... attends, faut que je le trouve. Dans Soif. C'est ça, le dernier, l'avant-dernier. Elle l'avait présenté comme étant le roman où elle voulait parler de celui qui était son héros. Son héros depuis toute petite. Et son héros, c'était Jésus. Donc dans Soif, elle a pris le risque de parler à la place de Jésus. Et en fait, son héros, certes c'est Jésus, mais c'est aussi surtout son père. Et elle va très très bien le raconter là, dans Premier Sang. Elle lui fait dire... Ah, puis les quatrièmes de couverture des bouquins d'Amélie Nothomb, c'est toujours hyper laconique, hein. Si vous comprenez ce de quoi elle veut parler en lisant la quatrième de couverture, chapeau, mais c'est toujours des phrases qui sont fortes. Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Donc elle va raconter l'histoire de Patrick Nothomb, qui devient très tôt orphelin de père, et sa mère va confier son fils à ses parents. Donc il va être élevé par ses grands-parents maternels qui vont le choyer, qui vont le surprotéger, en tout cas qui l'aiment profondément. Sa mère, du coup, Claude, va un peu le délaisser. Bon, c'est Claude qui est délaissé par sa mère. Et puis son grand-père maternel décide un jour, l'été de ses 6 ans, c'est pas possible, on en fait une poule mouillée de ce gamin, il va falloir un peu qu'il soit élevé à la dure. Hop, tu vas aller passer l'été chez ta famille, tes grands-parents paternels, donc chez la famille Nothomb, en Ardennes, dans leur château du Pont-d'Oie. Et là, pour le petit Patrick, c'est la découverte. C'est la découverte du lieu d'abord, effectivement, de ce château, dans ces forêts ardennoises, ardennaises, merci. C'est la découverte pour Patrick. Et puis la découverte de la tribu Nothomb, parce que c'est vraiment une tribu. Il y a à sa tête donc Pierre Nothomb, le baron, donc son grand-père paternel, sa femme, qui est sa seconde épouse, et leurs enfants. Je m'amuse parce que... Une tornade de grands-enfants envahit le dortoir. Ils me parurent effroyablement nombreux, tant ils étaient bruyants, remuants, et résolu à écumer les visiteurs. Montés en graines, maigres, violents, vêtus de haillons, les enfants Nothomb m'aperçurent et se jetèrent sur moi comme une meute de chiens sur un gibier. Alors, vous imaginez bien le petit Patrick qui, choyé par ses grands-parents maternels, arrive dans ce lieu de vie, bousculé par ses enfants, c'est l'étonnement. Mais il va le vivre de façon comme un enfant découvre une île déserte, avec beaucoup de curiosité. Il va découvrir petit à petit les règles qui régissent cette famille. Alors, c'est pareil, je ne peux pas tout dévoiler parce que les romans d'Amélie Nothomb sont toujours très courts, donc on ne veut pas non plus trop en parler longtemps sans trop dire. Mais il va découvrir petit à petit comment cette famille fonctionne. Et puis surtout, il va découvrir auprès donc de son grand-père paternel, Pierre Nothomb, la poésie. Parce qu'il sait lire, il lit bien, c'est un enfant vif, curieux, intelligent, et son grand-père va lui faire découvrir la poésie. Bon, déjà sa propre poésie, parce qu'il écrit,
mais aussi celle des grands poètes. Il va y avoir une rencontre avec Rimbaud qui est absolument magnifique. Et il va donc, Patrick, grandir entre ces deux familles en alternant les passages beaucoup plus protégés dans sa famille maternelle et cette espèce d'exubérance, cette folie qu'a sa famille, sa famille paternelle. Il va devenir un jeune homme brillant, il va faire des études de droit, il va devenir diplomate. Il va épouser, contre l'avis de son grand-père, hein, Pierre Nothomb, il va épouser Daniel, et il va partir au Congo. Il va devenir ambassadeur, et c'est là qu'en 1964, à Stanéville, qui n'était pas encore Kinshasa, que va commencer ce qui va être la plus grande prise d'otage du XXe siècle, durant laquelle donc son père, Amélie Nothomb, va servir de médiateur. Et c'est là qu'il va, lui aussi, tous les jours, en effleurant cette mort de près, va arriver à transcender cette peur et à faire en sorte que les otages, en entamant un dialogue avec les preneurs d'otages, va réussir à faire en sorte qu'il y ait le moins possible de dégâts. Il y aura des morts, hein, parce que la libération de cette prise d'otage, elle ne s'est pas faite dans la sérénité, dans la tranquillité. Hein, c'est l'armée qui est intervenue. Hein. Voilà. Mais c'est... Alors, premier sens, je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est assez ironique pour le personnage solide qu'était son père. Hein. Donc, il va devenir un diplomate apprécié. Et Amélie Nothomb développe effectivement un amour profond pour ce père. Heureusement qu'il est revenu vivant de cette prise d'otage, parce que c'est parce qu'il est vivant qu'Amélie Nothomb est là. Voilà, c'est un profond respect donc pour cet homme-là, c'est sa famille, un amour très fort qui lie Amélie Nothomb à son père. Voilà, le premier sang. Deux personnages de père. Le premier, celui dont je vais vous parler, puis je parlerai du second après la pause. Le premier dont je vais vous parler, c'est celui qui apparaît dans le dernier bouquin de Jean-Baptiste Delameau, qui s'appelle Le Fils de l'Homme. Donc là, on est en Gallimard blanche, pas en Gallimard du monde entier, mais en Gallimard blanche. C'est aussi une histoire de famille. C'est aussi une histoire de place du père. Mais c'est surtout une histoire de transmission. L'épigraphe au début du livre de Jean-Baptiste Delameau, l'épigraphe c'est la petite phrase, hein, qui est au début du roman, il dit: et la rage des pères revivra chez les fils à chaque génération. C'est tiré de Sénèque, enfin c'est de Sénèque, dans son livre qui s'appelle Tieste. Donc Jean-Baptiste Delameau, dans ce roman noir, très noir, pour ceux qui l'ont lu, c'est un roman très sombre, hein. Il va nous parler effectivement de la transmission de la violence entre les pères et les fils, d'une génération à l'autre. Le premier chapitre, ça se passe au temps de la préhistoire, où là aussi, il va y avoir une histoire de violence au cours d'une scène de chasse entre un père et son enfant. Et ensuite, on va revenir à l'époque contemporaine. Donc, tout le roman après se situe à l'époque d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le premier chapitre, Delameau a choisi une typographie en italique, pour bien marquer le changement de temps, le changement d'époque. Et quand on revient à aujourd'hui, on va être avec trois personnages: le père, la mère
et le fils. Delamo ne va jamais ne leur donner de prénom, d'ailleurs, à ces trois personnages. On va les retrouver en route pour aller vivre dans la maison de la famille du père, maison perdue dans la montagne, difficile d'accès, elle aussi. C'est sa maison familiale, à son père, qu'il a retapé avec son père. Et il emmène donc sa femme et son fils passer un été là-haut. Tout de suite, on comprend que ce lieu fermé, isolé de tout, difficile d'accès, encerclé de terre et de forêt, guère accueillante, va être un lieu de huis clos assez terrible pour cette famille. Le projet du père, passer un été dans cette maison, va vite être dépassé. On se rend compte qu'effectivement, les intentions du père ne sont pas que là. Et qu'il va, dans cet endroit-là, expliquer, en tout cas, partager toute la rancœur qu'il a au plus profond de lui. Rancœur qui lui vient de sa propre histoire avec son père et de celle qu'il est en train de vivre avec cette femme et son fils. Cette rancœur est une véritable source de violence. Et plus on lit ce roman, plus on sent, au fur et à mesure, que cette violence monte crescendo. Forcément, on imagine bien que ça va pas très bien finir. Mais on a envie de savoir. On a envie de savoir parce que l'écriture de Delamo est vraiment brillante. Et c'est pas qu'un simple roman noir. Il est exigeant au niveau des mots. D'ailleurs, moi, il y a des moments où j'étais obligée de chercher, de prendre un dictionnaire. Hein. Il y a des choses que je ne savais pas ce que c'était. Et avec cette langue-là, forte, puissante, érudite, exigeante, il va nous obliger, il nous prend au piège pour aller jusqu'au bout de ce livre. Comme il raconte le piège qui se referme dans cette maison. On ne peut pas le lâcher. Moi, je l'ai lu en 2 jours, je n'ai pas pu le lâcher. Il y a des passages qui sont des véritables odes à la nature. C'est absolument magnifique. L'horizon est lourd de brume, la montagne alentour détrempée par l'humidité de la nuit. Les pierres sont noires, luisantes. Elles affleurent à la surface comme la carapace de quelque bête enfouie dans un profond sommeil, ou comme si la montagne tout entière n'était elle-même qu'une immense créature assoupie sur le dos de laquelle l'enfant cheminerait. La crête brune des arbres se perd dans le brouillard et tout semble feutré. Le pépiement des merles dans les bosquets lugubres, la lueur du jour, monotone sous la gaze occultant le ciel. De la prairie que le fils traverse s'élève une odeur de boue, de racines et de ciboulettes sauvages. La mère l'a revêtu d'une parka à doublure molletonnée pour qu'il ne prenne pas froid et d'une paire de bottes dont la semelle émet un bruit spongieux dans les herbes que la rosée fait paraître bleue dans les dépressions du terrain. Lorsqu'il parvient à l'orée du bois, l'enfant marque un temps d'arrêt. Il se tourne en direction de la grange désormais invisible. Rien ne bouge, pas même une ondulation sur la prairie. Dans cet apparent silence, le fils éprouve violemment sa solitude et dans le même temps, l'impression de sa présence au monde, de la nature déployée autour de lui, de l'immensité et de la multitude dans laquelle son existence a pris forme et se trouve à cet instant précis. Il est alors saisi par sa vulnérabilité. C'est juste un extrait de la puissance de la langue de Jean-Baptiste Delamo.
Il y a, en plus, son roman est construit de telle façon à ce que il a encerclé son histoire. Donc le premier chapitre, qui est écrit en italique, qui est une scène de chasse au temps de la préhistoire, va se terminer sur une scène de chasse contemporaine. Et donc effectivement, ce récit enchâssé dans ces deux histoires de chasse. Donc, qui dit chasse dit violence, on comprend bien effectivement que ce sera une histoire sombre, noire. Le père va en profiter dans un long monologue intérieur pour nous raconter aussi toute cette violence qui lui vient de son propre père. C'est pour ça que il explique, enfin, ça explique en tout cas l'épigraphe. Et la rage des pères revivra chez les fils à chaque génération. Mais, ouf, Jean-Baptiste Delameau, quand il présente ce roman, dit qu'il est arrivé au bout de cette volonté qu'il a eue de raconter justement la transmission de la violence d'une génération à l'autre. Heureusement, on l'avait trouvé dans Règne animal. On le termine avec le Fils de l'homme et il pourra sans doute aborder un autre thème dans ses prochains livres.